Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème, je crois, épisode de mon let's play sur l'acte 2 de Age of Empires 3, complète collection. La dernière fois je vous avais laissé, on venait de gagner, et du coup on peut y retourner, j'ai pas d'autres cartes. Cherchant à se venger de la mort de Stuart, John et Kanyenke poursuivent Warwick à travers les plaines jusque dans les vastes terres inexplorées de l'ouest. Les grandes plaines. En route vers l'ouest. C'est pleine. Je n'ai jamais rien vu de. Eh ben dis donc, il y a des bisons. Prudence. Je ne connais pas les gens d'ici. Ils savent peut-être où est Warwick. Venez. Bon ben allons voir, ça c'est quoi des Sioux? Respect. Warwick et sa garde des reliques veulent tuer tous les chefs des plaines. Gagner le respect des tribus avant que le dernier chef ne soit tué et Warwick sera chassé. Gagner 10 000 points d'expérience avant que le cercle ne tue les 5 chefs. Ok. Ça veut dire que ça va être le bordel. Construisons un comptoir au village Lakota près duquel nous sommes arrivés. On va déjà faire une ville. Il y a des bisons, normalement c'est une bonne source de nourriture. Ouais. Faut qu'on soit un comptoir. Ok, donc faut que je m'occupe de ces chefs. Faut que je les empêche de crever. Ou en tout cas, faut que j'ai suffisamment d'expérience pour qu'ils crèvent pas tout de suite. Le peuple de Lakota va se joindre à vous. Ok. Donc à partir de ça. Donc j'en ai mis 3 alors. J'en mets 5. Quoique, est-ce que je fais pas directement? Ah si, je vais faire directement un moulin. On va pas être bête. Avec ça, ça devrait aller. Donc toi t'es mon constructeur. Allez hop. J'ai décrété que tu étais mon constructeur. Alors, je vais demander 4 colons. 4 colons et 5 ulans. De toute façon, on aura besoin de cavalerie si on veut se déplacer vachement loin. Alors, avec ça. C'est Lakota. Du coup, on peut avoir des cavaliers à la hache Lakota. Ça peut être utile. Hop, on va améliorer la récolte de nourriture. Hop, j'ai demandé plein de villageois. À demander à la cavalerie. Enfin, faire la cavalerie. Alors. Hop, hop. Ça, c'est bon. Donc, ils sont combien? Ils sont 7 sur 10. Il va m'en falloir plus. Mais c'est déjà pas mal pour un début. Je vais attendre un peu qu'il y en ait un peu plus. Quoique, allez hop. Vous allez me remplir tout ça, les deux prochains. Donc faut que je m'occupe des autres villages. On va essayer de les aider, allez, pourquoi pas. En plus ils sont en train de se faire défoncer. Voilà. On fera un comptoir là-bas. Du coup, là, ils sont combien? Ils sont 9 sur 10. Voilà, maintenant, on va pouvoir mettre en attente. Il va falloir que je cours au travers des plaines, je pense. Hein. Voilà. Donc, tu vas me faire un comptoir. Histoire qu'on soit tranquille. Je vais demander des mousquetaires. Voilà, ils se sont occupés.
Donc là, il va faire le comptoir tranquillou. Par contre, je vais rapidement plus avoir assez de place. Alors, un au bois. Ok, il y a un avant-poste. Méfiance. Je vais essayer de les sauver un maximum. On va voir. Je crois que je les ai envoyés là. Hop. Hop. C'est parti. J'ai clairement pas assez de bois. Faut passer à l'âge 3 parce que sinon ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Hop, alors H3. 3 mantelets iroquois, plus 2 éclaireurs indigènes. Allez hop. J'atteins une métropole de niveau 10. Ça c'est bien. J'ai fait ami avec quoi? Les Comanches. Ils donnent quoi? Alors, archer monté Comanche. C'est pas mal ça. La maîtrise de la langue commerçage Comanche réduit le coût de vos recherches. Ouais. L'élevage sélectif des chevaux augmente les points de vie de la cavalerie. Ça c'est pas mal. Et toute la cavalerie se déplace plus vite. Ah ouais. Il y a des trucs sympathiques là-dessus quand même. Hein. C'est quoi comme peuple ça? C'est des Comanches. Des Comanches. Et des Comanches. Ok. L'âge 3 arrive, on va garder les chargements pour l'âge 3. Voilà, avec ça on a déjà pas mal. Je pense que ça devrait bien l'aider. Par contre, il faut clairement que je passe à l'âge 3, histoire que j'augmente mes unités, que je les améliore un petit peu. Allez. Il se passe rien là, c'est un peu long. J'ai pas grand chose à faire. Si ce n'est attendre. Ouais, c'est bientôt fini l'âge des forteresses. Mustang Comanche terminé. Oui. Ça c'est quoi? Un terrier de tatou valant 4 heures d'expérience. Voilà, limite. Voilà. On va chercher le trésor, hein. Ça coûte rien. Là, c'est quoi? C'est des guerriers aigles aztèques dans les plaines... dans les grandes plaines américaines? Pourquoi pas? Un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? Oh, mais il y a une route commerciale ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai peut-être pas engagé de Focono, ça sert pas à grand chose. Je prends de la cavalerie, c'est toujours bien la cavalerie. Hop, on va améliorer nos unités. Si je pouvais en faire plus aussi. Hop, on va faire 5 mousquetaires de plus. Je vais faire des villageois. Moi je vais m'en faire 3. Donc 2, 1 ici, 1 là et un villageois construction. C'est bien ce que je me disais. Faut que je m'occupe de ça. C'est important, les comptoirs de commerce. Hop, vous allez me défoncer ça. Hein. Rôle. Je sais pas trop par où vous passez.
pas qu'on va faire ça. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ça va être la merde. Voilà, maintenant c'est vous qui fuyez. Une fois que c'est moi qui ai les cartes en main. Boum! Voilà. Vite! Occupez-vous du canon avant qu'il... Ah, ne puisse tirer! Voilà, ça c'est bon. Les chariots, ça peut être utile. Boum! C'est rien passé. Là, on va m'attaquer, évidemment. Oh là, d'accord, ouais, je vois. Ça les a vraiment énervés. Voilà, ça va. Je gère plutôt bien. Faut que je monte à 10 000 XP. Je sais à combien. Le grand bison blanc est sacré. Menons le grand bison blanc vers le village Lakota près duquel nous sommes arrivés. D'accord. Cette bête est énorme. Faut la ramener ici. Bon bah tu vas y aller tout seul. Hein. T'as l'air d'être tranquille. On va construire un comptoir ici. Des reliques attaquent une tribu. Arrêtez-la. Bien, tu passes par le sud. Alors vous. Non, hop, le colon. Le deuxième. Le troisième. Non, le troisième, tu vas aller ailleurs. Par contre, là, vous allez les aider. Il est où le grand bison? Vous êtes qui, vous? Pas pourquoi je vous ai récupéré. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse des comptoirs avec toutes les tribus d'abord? Si. D'accord. Je pense que si. Est-ce qu'on peut pas les diligences? Ah, essayer les diligences. En plus, j'ai plein de trucs à demander. Ah bah évidemment, limite atteinte. En plus j'ai plus d'or. Où sont mes petits villageois? Voilà. Il va finir le comptoir de ce côté-là. Et vous pouvez pas me faire un comptoir? Il se met où? Où qu'il se met? Il se met nulle part? C'est bizarre. Là encore... Quoique non, je sais pas où il se met. C'est bizarre. Alors, je vais demander des trucs. On va couper du bois plus vite. Alors, diligence c'est terminé, chemin de fer c'est H4. Ouais, l'XP c'est plutôt pas mal. Quoique, on va demander du bois. J'ai pas tant de bois que ça. On va faire ça comme ça. Voilà, il y avait quelqu'un qui est passé. D'accord, bon là ça se fait pas on dirait. Pas moyen de mettre quelque chose.
Là, il y avait ici. Voilà. Non, retourner en arrière. Ouais, on va peut-être faire cet avant-poste, ça sera déjà bien. Voilà, hop. Vous allez faire l'avant-poste. Avec tout ce que j'ai, ça devrait aller vite. La colline sacrée voilà. A été nettoyée. Mais ils étaient combien dedans? Voilà. Je les ai pas encore les 10 000 XP. Bah tiens. J'aurais à les avoir les 10 000 XP. Non? Toujours pas? Pourtant avec tout ce que j'ai demandé. Ça fait un bout de temps que je devrais les avoir. C'est bizarre. Il y a le trésor de l'île de la Chouette, il est là-bas. Sauf qu'on s'en contrefiche un peu. Est-ce qu'on peut pas demander H4? Si. 10 mousquetaires. Allez hop. Je vais demander des Focono, hein. Ça coûte rien. C'est peut-être parce que je suis pas encore passé à l'âge supérieur que je peux pas construire des compteurs partout. Ah non, il n'y a pas d'emplacement de comptoir, tout simplement. D'accord, vous étiez au bois. Ah, vous y retournez. Tiens, on va améliorer tout ce bordel. Ça va être déjà mieux. J'ai plus assez de bois. Donc on va les faire revenir. Il faudrait 88 en plus. On peut pas voir où, combien on en est au niveau de l'XP. J'ai le souvenir qu'il y avait un compteur. Mais non. Ok, ils ont atteint l'âge industriel, carrément. Ouais. Non, ça c'était juste... juste des colons. Commandement. Yes. Hop, des mousquetaires vétérans. Voilà, avec ça. Ok, j'ai clairement pas assez. Oh, bé. Il faudrait un peu plus de bois. Hop. Trop tard. Il fallait que je fasse un bâtiment. Bah, qu'est-ce que je peux faire si, pour gagner 10 P si ce n'est attendre que le machin passe. Puis défoncer les unités adverses. De toute façon, je les empêche de sortir là. Ils pourront pas m'avoir. Je vais demander les mortiers et au pire on va attaquer. Hein. On a que ça à faire. Ah, bah ça fait 20 minutes. Bon.
Bon, bon, bon. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, il va se faire... Ah, bah ben non, elle s'enfuit. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc., etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !